Salut. Bon bah vous l'aurez compris. Il est arrivé ce matin, je perds pas de temps. Je ne me souviens quasiment d'aucune pièce que j'ai sélectionnée. Donc il y a le côté surprise qui est plutôt cool aussi. Je vais donc essayer les looks et en même temps je vous mettrai, comme j'ai fait la dernière fois, sur le mannequin. On va voir un petit peu si ça correspond au visuel. Je vous mets tous les liens des habits que vous allez voir en barre d'infos, ainsi que le petit code promo si jamais ça vous intéresse. Je commence, je ne perds pas de temps. Je vous le dis, hein, je découvre vraiment avec vous. Ah oui, je me souviens. Une robe en laine. Robe en laine. Ah, nickel. Donc, j'ai choisi ce coloris. J'avais un petit doute, savoir si au teint, ça allait m'aller. Donc, on est sur une taille 36. Il m'a l'air un petit peu ample. Et bien évidemment, moi, je vais l'accessoiriser hein, avec une ceinture. Je suis un petit peu coco. La ceinture était fournie avec. On avait ça. Ça me paraissait bizarre qu'il n'y en ait pas. Après, tu peux mettre vraiment une ceinture de notre choix aussi. Hein. Ça, c'est pour que vous puissiez voir un petit peu le coloris et la maille. La photo, mannequin, ici. Alors, elle me va très bien. Et surtout, elle me plaît beaucoup. Je n'avais pas de modèle comme ça. Ça, les manches, super originales. Le fait qu'il y ait cette ceinture, bah, tu peux la porter plus ou moins courte. Et tu peux également, hein, si tu veux pas cintrer, tu mets pas ta ceinture. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. Finalement, le teint, ça passe. Voilà ce qu'elle rend portée. On enchaîne avec ça. Ah oui, alors ça, c'est clairement, je me suis dit confinement, j'ai besoin de petits pulls confort. J'en ai pas en plus, c'est comme ça. Ah, puis il est bien épais. Vous voyez, la capuche, le lien pour resserrer, je vous montre également de plus près. Ah, c'est très 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 sympa ça. Alors j'ai pris en taille S, mais c'est une... Attends, je regarde bien. Ouais, une taille S, ouais ça, taille S, mais ça se porte loose quoi, très très large. Le mannequin, juste ici. Bon par contre, on est entre nous, hein, plus ça va aller, plus mes cheveux vont partir. J'arrête pas d'enlever, de remettre. C'est pas grave, on est entre nous, j'adore. Hyper confort, c'est ce que je voulais pas un truc trop serré. Et c'est du S, hein. Donc c'est important de le savoir, c'est du S. Si jamais vous voulez prendre du M, c'est pas la peine. Après ça dépend votre morpho. Il est chouette, hein. Ah j'adore. Ça arrive ici, donc c'est bien bien en dessous des fesses. Et voyez, il y a de quoi respirer. La petite capuche, on est bon. Je valide, j'aime beaucoup. Ensuite, ah, je suis contente, je pensais pas qu'ils allaient me sélectionner celui-là. C'est un manteau long. Le col est super sympa, regarde. Il est assez long, hein, ouais, je crois. Vous voyez, c'est très original. Les manches sont larges, on a du bouton comme ça. Et je vous dis, hein, il est très long. Alors, moi j'ai vraiment un petit doute parce qu'en général les manteaux longs c'est pas ce qui me va le mieux, mais j'ai quand même craqué sur le modèle, hein, vous voyez, à chaque fois je vous mets de toute façon. Il y a également la ceinture, hein, qui va avec. Bon, bah clairement les manteaux chez Shein, et il faut savoir que moi je dois prendre une taille en dessous, là c'est 36, c'est beaucoup trop grand, trop large, il faut que je passe à 34, ça m'avait fait la même chose avec le manteau la dernière fois. Alors que toutes les autres fringues 36 c'est parfait. Là, et encore j'ai mis la ceinture donc ça va. Mais regardez sur la ceinture. Non, ça va pas. J'aime quand ça tient un petit peu, enfin que ça serre un minimum. C'est dommage, hein. C'est un modèle qui est vraiment joli. Alors il tombe, c'est normal hein, qu'il soit long. Ça je le savais, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop large. Oh, c'est dommage. Parce que regardez, hop. Il y a même une question, je suis pas certaine que ça m'aille très bien au teint. Vous voyez ? Bon, sinon ça c'est mignon, hein. C'est original. Mais 34, 34 carreaux, la prochaine fois, marque-le, note-le quelque part. Qu'est-ce que c'est? Des points comme ça? Je me souviens pas. Je vous dis, c'est ça qui est cool, mais se serait-il trompé? Oui, mais non. J'avais commandé une robe comme ça, d'ailleurs, c'était une ma robe coup de cœur. Mais je crois pas que ce soit celle-là. Je vérifierai de toute façon avec les liens. Ah quoi que peut-être. Maintenant que je vois la manche comme ça bouffante. Elle est mignonne. Hein. Elle est super mignonne par contre. Le problème c'est que c'est au niveau des hauts comme ça qui sont un petit peu
en col V comme ça, triangle. Moi, c'est pas ce qui me va le plus. Je pense qu'il faut une... J'ai pas une poitrine très très généreuse, donc je sais pas. Le mannequin juste ici, si jamais j'ai retrouvé. Voilà, donc ça c'est la robe. Effectivement, moi je n'aime pas sur moi. Il faut avoir un décolleté plus généreux pour que ça soit joli. Je pense que je vais quand même la garder parce que je la trouve super mignonne. Et je mettrai un petit haut près du corps parce que la longueur est très belle. Alors ça fait, on est d'accord, hein, robe pour un réveillon, un soir de Noël. C'est super joli. Peut-être en mettant également une pince à linge. Dans mon cas, très fluide, c'est très joli. C'est très joli, mais j'aurais quand même... Ouais, j'aurais préféré que ça finisse là. Parce que regardez. Oh là 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 là, j'adore. La robe, avec les manches pareil bouffantes. Tout le long, les boutons. Vous voyez, les manches. Ah. Après, pareil, il faut voir comment ça rend sur moi. Bon, petite robe super mignonne. Elle est moulante, elle est assez courte et je vais être très 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 honnête avec vous. J'ai bien envie et quand je l'ai choisie, je savais de la mettre en haut. J'aurais aimé que ce soit un body. Donc je me suis dit, il y a peut-être possibilité de couper parce que le côté robe court comme ça... C'est pas pour moi, mais j'ai tellement flashé sur le haut, les boutons comme ça, juste sur un côté. Les manches bouffantes, ça structure, je trouve, la ligne. Voilà, donc je vais voir ce qui est possible de faire. J'ai une couturière qui bosse vraiment très très bien, donc on sait jamais. Et je vous dis, ça aurait été génial, un body comme ça. Mais sinon, c'est canon, hein. C'est un modèle qui est tellement mignon. Qu'est-ce que c'est? Ah! Une robe qui est assez originale, vous voyez, avec deux matières. Là c'est un petit lien au niveau du cou, la longueur, bah pareil, hein, faut que je l'essaie pour que je me rende compte. Mannequin, et puis bah on essaye. Mignon ou pas mignon? Moi je dis mignon, donc après je l'ai peut-être mal attaché. Ça se cintre naturellement, la longueur correcte, pas trop courte. Après, c'est comme je viens juste de le déballer, ça mérite d'avoir un petit coup de repassage. On est d'accord. Pourquoi pas lui mettre aussi une autre ceinture, quoique, je sais pas. Mais voyons si on peut mettre autre chose. Donc non. Ah oui. Ah, il y a plusieurs façons de le porter. C'est un modèle qui est ravissant. Donc je vous ai dit, là, il y a deux matières différentes et les manches sont resserrées avec deux boutons. C'est mignon comme tout. Que j'ai oublié de dire et qui a son importance. Une fermeture éclair qui va tout le long. Donc pratique pour l'enfiler. Voilà, vous l'aurez compris, j'ai terminé. Sur les 6 pièces, il y en a 5 qui me vont parfaitement, que j'aime beaucoup. Il y a des robes, si vous cherchez des petites robes pour cette fin d'année, peut-être qu'on pourra faire quelque chose au premier de l'an, à Noël, je n'en sais rien. En tout cas, ils ont de très chouettes modèles. Et pas que, hein, pour cet automne, cet hiver, la qualité est plutôt pas mal. Hein. Moi, à chaque fois, je suis étonnée. Et ça correspond, les tailles correspondent. Sauf, je vous dis, manteau, attention quand même. Prenez quand même une taille en dessous. C'est mieux. Je le rappelle, tous les liens se trouvent dans la barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, je vous fais un énorme bisou. Et vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut.